chers amis, voilà, de retour pour les aventures de Tintin. Et voilà, j'ai passé une semaine critique. C'est pour ça que vous m'avez pas entendu. Et je vais vous donner un petit résumé et vous montrer l'immensité de la grandeur d'HM. Et encore, c'est avec un petit étincelle dans cette immensité. Il y a 3 semaines, juste pour résumer et bien faire comprendre la grandeur de la Rahmanou d'Hachem, il y a 3 semaines, j'étais juste après que les événements ont commencé, l'école, nous avions décidé de fermer le vendredi. Lundi, je suis au travail et je reçois un appel à Rav de Blues de Rabbi David Pinto Shlita et qui me dit « Sadia, tu quittes le travail tout de suite et tu rentres à la maison. » Je dis pourquoi ? Il lui dit « Pose pas de questions, tu rentres à la maison et tu sors pas de la maison. Toi, ta femme, tes enfants. » Je dis « Ok. » Il n'y avait encore aucun signe précurseur, il n'y avait aucune alarme, il n'y avait rien à Montréal. Je lui dis « Ok. » Je rentre donc à la maison. Et dès le lendemain, mardi, mes premiers symptômes ont commencé. Je vous fais l'histoire rapide. Jeudi soir, je vais à l'hôpital. Je ne me sentais pas bien. Je vais à l'hôpital. On me fait le test. Vendredi matin, on m'appelle. Positif. Ok. Positif, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut dire que tu es un peu moitié porteur du virus. Et il faut prier que le système immunitaire puisse s'en sortir. Donc je passe la fin de semaine, Shabbat, et les jours avancent, et là, mercredi soir suivant, je ne me sens pas bien du tout, je retourne à l'hôpital, à l'urgence, et là on me fait une radio de mes poumons, et comparé à celle de jeudi soir d'avant, on voit que les poumons sont très affectés, et que, effectivement, mes symptômes ont augmenté énormément. Et c'est là où on me décide de me prescrire la chloroquine avec le Zitromax, le fameux antibiotique, donc le fameux combo dont tout le monde a entendu parler. Et je démarre, donc je rentre à la maison. Je suis un des rares patients à qui on donne la prescription à prendre à la maison. Je rentre à la maison et je suis là, dans ma petite tête, je me dis, écoute, voilà, ça marche. Partout dans le monde, il y a des très bons résultats. Au bout de 2-3 jours, je devrais avoir déjà des résultats positifs et une amélioration de mon état. Et voilà que je commence à prendre le protocole, le combo. Et malheureusement, à ma grande surprise et à ce que je m'attendais le moins, c'est qu'au lieu de s'améliorer, ça continue à s'empirer. Et là, dimanche, je fais un test de saturation de mon oxygène et c'est une catastrophe. Mon système respiratoire est à plat et ça devient très alarmant. Je n'ai pas d'autre choix. C'est là où je retourne à l'hôpital, donc ce dimanche passé, et on me fait entrer en urgence. Effectivement, on me met tout de suite sur respiratoire, avec un support oxygène, pour essayer de remonter ma saturation. Et en attendant, on me dit on va faire des nouvelles radios. Et là, je sentais ma neshama partir. Je me sentais tellement mal, ça faisait aucun sens. Je me sentais dépérir entièrement, pas, en décomposition totale. Je sentais que Bémet, le Satan, il était là, et le Malcham avait été là, c'est le même d'ailleurs, et j'étais d'ailleurs dans son siège social. On sait très bien que le Malcham avait son siège social, c'est l'hôpital. D'ailleurs, sa salle de stockage, c'est la morgue qui est en dessous, au sous-sol de l'hôpital. C'est là où il a son inventaire et il s'assure toujours d'avoir un inventaire bien complet et bien fourni. Et quand il voit que l'inventaire y baisse, il monte dans les étages et il cherche qui ramasser. Et là, Bémet, j'ai ressenti qu'il était présent. J'ai senti que c'était
C'était pas normal. Et évidemment, quand ils sont revenus avec les résultats de la radio, eh bien là, le glas a sonné. C'était clair, mes poumons étaient complètement ravagés. Donc trois rayons X successifs, le jeudi d'avant, le mercredi d'après et ce dimanche soir, et une détérioration totale et complète. Et pourtant, j'avais pris depuis 5 jours le protocole. J'étais sous médication, j'étais supposé déjà m'améliorer. Là, j'ai compris que c'est ni la médication, ni rien qui pouvait m'en sortir, si ce n'est pas à Katjbohu, Birvodo, Biasmo. J'ai compris que c'était mes dernières heures et que si je ne m'y mettais pas à fond, c'était... Et là, évidemment, qu'est-ce qui m'est revenu à l'esprit? C'est cette fameuse Gemara de Chizkiyahu Meler. Le Chizkiyahu, quand le prophète Yeshayahu est venu le voir, et je peux vous dire exactement les mots pour ne pas me tromper, il est venu le voir et il lui a dit, il lui a annoncé sa mort. Il lui a annoncé qu'il y avait une Gzera et qu'il ne s'en sortirait pas. Et là, Chizkiyahu, il dit à Yeshayahu Hanavi, il dit, c'est bon, je t'ai écouté, va. Et il dit, moi j'ai une massorette de la maison de mon père, c'est-à-dire du roi David, qui se dit comme ça, Afilu cherev chada munach al savaro shel adam, al imnach asmo minarahamim. Même s'il a une épée qui est sur son cou, il ne doit pas encore désespérer de la compassion divine. Donc même s'il y a un décret. Et en effet, le Chizkiyahu Meler se base sur une histoire du roi David, son ancêtre. Il y avait une épidémie à Jérusalem. Et David Meler, il a vu le Mashrit qui était en train, avec une épée, en train de détruire tous les habitants de Jérusalem. Et le roi David n'a pas désespéré. Et il a prié. Et la Magefa, la plaie s'est arrêtée. Et ça, c'était donc dans la maison du roi David et de ses ancêtres, que même si un décret, même si déjà c'est fini, ça semble tout à fait fini et scellé, même avec ça, lo yimna atzmo min arahamim, l'homme ne doit pas encore désespérer et croire qu'il n'y a pas de possibilité. À ce moment-là, chers amis, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait la prière de ma vie. Ce dimanche soir passé, je me suis retourné, j'ai pleuré les larmes de mon corps et j'ai supplié Hachem de m'accorder encore quelques années. Et la sincérité de cette prière, c'est la première fois de ma vie que je prie aussi intensément. Je me rappelle avoir prié comme ça aussi quand mon père était malade, quand ma maman était malade. Et là, c'était pour moi cette fois-ci. Et j'ai invoqué toute la compassion divine, tous les arguments qui pouvaient me venir en tête. Et j'ai bémet. Je savais d'un autre côté que toute la communauté avait prié et continue à prier pour moi. Que les enfants de Yavne, les enfants de partout, on fait tellement de télim, de tfilot. J'ai dit à Kajourou et Bono Sholom, tout ça combiné ensemble ne peut pas passer inaperçu. C'est impossible que ta compassion qui est infinie ne soit pas éveillée. Et là, je me suis rappelé d'une histoire de Rabbi Nachman où il expliquait qu'une fois il était en visite en Israël et il était tombé d'un cliff. Et il s'était retrouvé suspendu en ciel et terre, accroché à une branche. Et il a dit que la prière qu'il a prise à ce moment-là pour sauver sa vie, c'est ce genre de prière qu'on doit tous prier tous les jours de notre vie pour pouvoir avancer. Et on n'a jamais su comment il s'en est sorti, suspendu entre mer et ciel. Et il s'en est sorti, il ne nous a jamais raconté quelle intervention il y a eu. Et voilà. J'étais là, j'ai fait tout ce que je pouvais
Et je me suis dit que maintenant, j'étais entre les mains d'Hachem. La chloroquine, elle ne marche pas. Les médicaments, pas. Les médecins, aussi gentils soient-ils, aussi mamache, plein de médecins, plein de bons docteurs qui étaient là autour de moi. Et combien de docteurs à l'extérieur de l'hôpital m'ont supporté, ont eu des super, super conseils. Chacun avec, au mieux de sa sagesse, son intelligence. Mais à la fin de la journée, il n'y a rien. Rien ne fonctionne. La seule chose qui fonctionne, c'est nous de rediriger vers une seule et unique adresse. Et là, je me rappelle d'un enseignement du Rassi Truc, Zechiat Sadiq Adoshivracha, que j'avais écouté quand j'étais jeune. Et il disait, vous savez, l'Emouna, c'est très beau. On dit, on prie pour la Parnassa, on prie pour ci, on prie pour ça. Mais si quelqu'un il a dans son portefeuille une carte de crédit Visa, alors il prie, HM, prouvez. Mais quelque part dans sa tête, il y a la Visa. Si jamais on lui coupe sa paye ou il manque de revenus, eh bien il pourra utiliser sa Visa. La même chose, quelqu'un a un problème, un souci dans ses affaires, c'est sûr qu'il prie HM. Mais il sait qu'il a un bon comptable, il sait qu'il a un bon fiscaliste, il sait qu'il a un bon avocat qui va s'occuper de ses affaires. Alors c'est sûr qu'on a toujours la Emouna en Hachem. On prie, on s'adresse toujours à Hachem, parce qu'on sait que c'est lui le maître du monde, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui le faiseur de l'histoire. Mais quelque part, tant et aussi longtemps qu'on a des backups et qu'on se dit, bon, c'est vrai que c'est Hachem, mais il a ses shurim, il a les médecins, Rofé et Rafé, il y a les fiscalistes, les comptables, il y a beaucoup d'êtres qui peuvent nous supporter dans nos difficultés. Ça, c'est vrai pour des situations normales. Mais voilà Kadosh Baruch Hu, il vient et il nous pousse des fois dans l'ultime. Et il nous montre qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Même mes shurim habituels, même ces backups que je te donne d'habitude, je t'enlève tout. Plus rien. Les médecins ne peuvent rien faire. Avec toute leur sagesse et intelligence, il n'y a personne. Au Hachem, j'avais des tzadikim qui priaient pour moi. Rabbi David Pinto, Rabbi Moshe Mouyal, et d'autres, qui étaient dans les quatre coins du monde, qui partout, je ressentais les prières du monde entier. Mais à la fin, il restait une prière, et une ultime prière, qui devait s'ajouter à cette sommation de prières et déclencher la Yeshua. C'était cette prière Me'aum Kadeliba, du plus profond de notre cœur. Et c'est avec ça que je veux terminer aujourd'hui. Et vous dire, souvent on m'a posé la question, et moi-même je pose la question sur moi-même, on sent des fois que les prières ne sont pas acceptées, qu'elles ont l'air de s'envoler comme de la fumée. C'est pas vrai. Il n'y a pas une tefila. Il n'y a pas une prière qu'Kadosh Baruch Hu n'utilise pas. C'est pas pour nous, c'est pour les autres, c'est pour réparer quelque chose dans le monde. Toutes les tefilotes, Rabbi Nachman dit, elles ont une adresse, elles retrouvent leur, elles ont des petites ailes, elles ont une direction. Mais nous, notre travail, et c'est ça mon message aujourd'hui, il faut croire dans nos prières. Il faut croire dans le pouvoir qu'Hachem nous a donné d'aller jusqu'au bout de la démarche. Des tests, il y a fois des tests à différents niveaux. Et des fois, c'est le test de la vie. Et il faut continuer. Il faut s'accrocher. La prière, elle marche. Tous les télim qui sont dits, ils ont une utilité fondamentale. Des fois, on dit, ouais, on fait télim, on ne sait pas où ça s'en va, tout ça. Ça compte. C'est important. Ces enfants purs et innocents qui viennent et qui chantent et qui font des mizmorim et qui font des bonnes actions, ça, c'est dans le roumo, cher Olam. C'est d'une valeur ultime pour Hachem. Mais tout compte. La prière des enfants, la prière des adultes, un soupir, il compte pour Hachem. Tout. Il ne faut jamais dédaigner et penser une seconde qu'Akadosh Baruch Hu ne prend pas en compte toutes ces prières et cette philo du Ram Israël. Et lui, il a une gestion, il a un système de gestion. Il sait comment et quoi faire avec chacune. Nous, notre travail, c'est de continuer à continuer à faire ce qui est à faire. Les Ségoulot, le Sefer Devarim, la Ketoret, le Tehilim, des prières du cœur, des prières personnelles, des prières dans son propre langage. Cette fameuse histoire
Une fois le Baal Shem Tov à Kippour, il priait toute la il a prié, il sentait que la Xéra elle portait pas, que le peuple d'Israël n'était pas encore pardonné, et il a demandé chacun d'ajouter. Et finalement, au fond de la salle, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un homme simple, un berger, qui ne savait pas parler l'hébreu, qui ne connaissait pas lire, il ne savait rien faire. Et quand il a entendu l'appel du Baal Shem Tov, il ne pouvait pas rester indifférent. Il disait ça aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier de son cœur, Cocorico, Cocorico. C'était un berger, il connaissait le chant du coq. Alors il s'est mis à chanter le chant du coq. Et tout le monde s'est retourné pour dire, mais t'es normal? C'est quoi cette blague? Et le Baal Shem Tov dit, non, laissez-le, qu'il continue. Et il continue, Cocorico, 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 du fond de son cœur. Il sentait que l'heure était urgente et que le tzadik demandait de prier. À la fin de Kippour, le Baal Shem Tov l'a dit, c'est ce Cocorico qui nous a tous sauvés. C'est sa sincérité, son authenticité. Et c'est ça qu'Hachem veut. Que ce soit les Mekoubalim qui prient, que ce soit les gens simples qui prient, que ce soit des instruits, les moins instruits, c'est pas important. Tout le monde doit prier, tout le monde doit s'adresser, on doit tous s'associer ensemble. C'est ça le Ham Israël, c'est ça notre force, c'est cette unité. Et continue, on doit tous prier pour les autres, être conscient de la difficulté des autres, du tsahar des autres, du tsahar du monde entier. Et on doit s'associer à ce tsahar, à cette angoisse, et on doit tous, chacun, faire notre effort. Et notre effort, c'est la prière, c'est tout. Hein. C'est sûr qu'il y a des moyens, tout ce qui est au niveau prévention, tout ce qu'il y a à faire, ça c'est certain. Ça c'est les moyens humains et les moyens naturels. Mais nous, le Ham Israël, à Kol Yaakov, la voix de Yaakov, c'est la voix de la Torah, c'est la voix de la Tfila, c'est la voix qui résonne dans les plus hauts niveaux du monde entier et qui déclenche les plus hauts niveaux de Rahmanou d'Hachem. Et il ne faut pas s'arrêter et croire une seconde que ces tfilotes n'ont pas d'adresse. Au contraire, chaque chose. Alors ensemble, on va continuer à prier pour tous les malades d'Israël, pour les malades du monde entier, pour qu'Adosh Baruch Hu puisse arrêter cette magéfa et nous ramener à nous sortir de tout ça. Évidemment, nous, on s'engage à bien réfléchir au message qu'Hachem attend de nous. On en reparlera. Mais c'est certain que ça n'a pas été une opération vaine et que tout ça, ça avait un sens. Mais on continue à être préoccupé par le bien-être de chacun, de nos proches, de nos plus éloignés, de la communauté, du peuple d'Israël et du monde entier. Alors ensemble, on continue à prier et à croire dans la prière. Et ma'amin be'emouna shelema, que chaque mot, chaque parole, chaque soupir, il fait la différence. Alors Shabbat Shalom, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi et continuez à faire pour le Ham Israël. Shem Shmeichem, qu'il y ait la protection dans vos foyers, la Shekhina dans vos foyers, et que vous soyez, que l'on passe tous un Pessah Kasher et sa mère. On aura l'occasion de faire un petit message pour Pessah. Portez-vous bien, Shabbat Shalom.